23h, donc on continue notre let's play de la gloire, du chômage à la gloire. Donc voilà. Donc on va continuer avec ce tour. Pour ceux qui suivent la série, le challenge de Arthur Ray, on fera pas lundi parce que lundi on démarrera la nouvelle carrière. Ah non, 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 c'est bon, ça va être l'OM. Donc c'est celle-là qui aura pas eu mardi. Tac, défilez vocal, le tirage au sort. Voilà, le tirage au sort. Tirage automatique. Hambourg contre Paderborn. Union de Berlin contre Stuttgart. Arminia Bielefeld, Lauterfurth. Cologne, Düsseldorf. Dynamo Dresden, Nuremberg. Bayern Munich, Eintracht Frankfurt. FC Saint-Pauli, Borussia Dortmund. Et Bayer Leverkusen contre Augsbourg. Donc. Ah, ils sont pas encore arrivés, mais les deux dernières vidéos durent plus d'une heure chacune. Voilà. Jonathan Munst. 9 matchs, 1 but, 6,62. Ouais, c'est mitigé. Et Klimonovic. 13 matchs, 1 but et 6,76. Aussi, c'est mitigé. Hop, on y va. Ok. Donc, on a 9 messages là. Toi, je vais te retirer de la sélection. Toi, tu y restes. Toi, tu y restes aussi. Bah, toi, tu y restes. C'est bon. Et c'est bon. Ah, Endo qui est blessé à 2 jours. C'est parti. Allez, un petit message. Mise au Krastermarer. Oh là, j'ai combien ? Ça se fait ça. Tac. Ok. Message, on va féliciter Pereira. Ah putain, Adli, il est encore blessé. Ça, c'est mon prochain adversaire. Movrapos à la place d'Anton Zagadou Ito. Non, Movrapos, Zagadou Ito. Piedfleur à droite et Goff au centre. Et Adli, on va l'enlever et on va mettre. Pereira. C'était la conférence de presse. Allez, on continue. Ah, il y a un message. Ah, ils ont acheté 70 000. De toute façon, on l'enverra après. C'est l'objectif. Féliciter Mavampa, voilà. Hop, y a rien à voir. Allez, un petit message. Endo, réunion de tactique. Y'a rien à faire. Bah, on va laisser comme ça. On va valider. Allez, faisons ça. Enfin, le meilleur, c'est mon gardien de but, bien sûr. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour le match. Donc, c'est le premier match de la soirée. Et le premier centre de Stuttgart. Le premier corner, qu'est-ce que je raconte? C'est pas un centre, c'est un corner pour commencer. Donc voilà. Ah, dommage. Ah.
Donc l'objectif c'est d'aller chercher encore une victoire, surtout à domicile, on est imbattable, ça serait pas mal de pas perdre. Au moins pour faire match nul. Ça pourrait être bien. Oh, ils ont failli marquer. C'est dommage. Donc oui, je me suis trompé toujours, ça appartient de mardi qu'on démarrera la partie. Donc la partie avec, je ne sais pas quel club de la région Centre-Val-de-Loire je vais prendre. Soit Châteauroux, soit Orléans, soit Blois, soit Bourges, on verra. On verra ça. Ça privé Saint-Hilaire aussi, qui est en National 2. Et ça, on verra ça au fil du mardi. Il y a une dose à sortir déjà. Bon, bah, on va rentrer. Bon, allez, Enzo Milo. Alors, on mène 1-0 grâce à un but de. Donc, c'est sur un coup franc de Souza. Ah, c'est Mavropanos. D'accord, c'est le défenseur qui a marqué. Ah, bah, c'est bien ça. Allez, 1-0. Donc Stuttgart reste 5ème du championnat. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui aussi, j'ai un truc à savoir aussi avec moi, c'est que je quitte jamais un club en cours de saison, j'ai oublié de le préciser. Ça veut dire que si on me propose un nouveau club, par exemple si un gros club me contacte parce qu'ils sont mal placés, j'irai qu'en fin de saison. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne dans le jeu. Sinon ce serait trop facile de partir en cours de saison, j'aime pas ça en plus. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne dans Football Manager. Bon, je pense pas qu'il y ait que qui me propose la première saison. Bon, tout peut arriver, mais j'y crois pas trop. Oh ouais. Je serais quand même malade. Je suis pas assez encore réputé pour pouvoir être. Voilà. Je suis pas du tout assez réputé pour pouvoir faire du. Partir de la première saison. Même si dans l'une de mes parties dans Football Manager 21, il y avait, quand j'étais à l'ON, il y avait Séville qui m'avait contacté dès la première saison. Et j'ai dit non, bien sûr. Mais cette partie-là, c'est exceptionnel, je peux partir à tout moment des clubs. Que les autres parties, c'est pas le cas. Voilà. Ça me continuer. Donc voilà. C'est comme le truc de Bourges, c'est pareil. Le truc de la région centre. Ça, c'est sur des séries qui resteront pas à vie. Que celle-là, ça peut faire plusieurs saisons. À l'aise. Même si le challenge Arthur peut faire plusieurs saisons. Allez, un message. Arthur je suis déjà début septembre. En vrai, en deux épisodes. Voilà. Domination d'ensemble. Bon, ça s'est bien passé, j'ai dominé, ça c'est bien. Ouais. J'ai pas beaucoup joué avec le 10, vu ce que je vois. Allez, un petit message. On joue contre la Coupe du Monde, le Verkusen. Ah non, il y a encore 3 matchs. Mönchengladbach, Hertha Berlin et le Verkusen. Ok, Coupe du Monde, bien sûr. Schindler au lieu du Cidilo, ouais.
Réunion hebdomadaire. Problème potentiel. On va aller par le joueur. Bon, il n'y a rien dit. La félicité ne m'a même pas. Allez, 12 petits messages. Donc là, il n'y a rien à faire. C'est plus. Lui, on retire de la sélection. Lui aussi. Tout ça, on retire de la sélection. C'est pas assez fort pour. Lui, on peut le laisser. Lui aussi. On retire de la sélection. Mise à jour Minsel. On a perdu que 2 millions d'euros. Bon, c'est pas très grave. Nomination ensemble, ça c'était le dernier match. Le plus riche. But, il en marque très peu. Expected goal, les boss. Après le reste, ça va. Très créatif, le jeu très créatif, on se ça. Centre réussi, ouais, et il y a passe réussi qui est un peu moins bon, mais bon, ça va, après le reste. Beaucoup de centres et centres appréciés par contre Stuttgart. Ça c'est chiant. Ah, il y a Mavropanos. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que genre de Stuttgart de Hofbourg. Pas mal ça. Voilà, ça a l'air d'être un peu mieux la cam là. En résumé, les dirigeants estiment que vous effectuez un travail formidable et que vous êtes clairement l'entraîneur qu'il faut à cette équipe. Les dirigeants, ouais. Ok, d'ici de l'arrivée des. Le supporter pourrait. Tantôt absolument, il a dit, tu parles en tempête, mais c'est génial, c'est tout. Ok. Allez, on continue. Créativité de. Ouais. Ça, c'est pour le prochain. Anton Mavropanos et Ito Zagadou. Ok. Enfin, comme ça. Ok. On va faire la conférence. Allez, deux petits messages. Voilà, c'était l'arrivée de joueur. On va féliciter Mavampa comme d'hab. Hop, un message, y'a rien à. Hop! Endo Florish Adli, d'accord. Tac! Donc Adli Florish peut revenir, mais on va laisser en bas, au repos. Mais on va laisser comme ça! Par contre, on va emmener Stenzel avec nous. Allez, validé. Je pense que comme hier, on va arrêter à 18h parce que je voulais faire du jeu. Mais samedi, demain, ça sera mieux. Donc voilà. Ah, on verra. Allez, on mène déjà 1-0 face à Manchester United grâce à un but de Sosa. Ouais, dis donc, ça a été rapide. Ah ouais. Je suis content. Et pour l'instant, on reprend la deuxième place du championnat. J'aime bien le maillot de Stuttgart de cette couleur-là. Oh ouais. Donc sérieux, c'est sûr, la série du chômage avec gloire, ça va être une série qui va durer... Jusqu'à la sortie de Football Manager 24. Donc ça veut dire pendant un an elle va être présente hein, cette série. Donc voilà. En alternance tous les 2-3 jours avec une autre série. Sur Football Manager, on va essayer de tourner sur 3 séries en même temps. Voilà. Pour ça que j'avais dit, on va essayer de centrer la chaîne sur. On va essayer de centrer la chaîne sur Football Manager, ouais.
au moins un live tous les jours sur Football Manager. Donc, ah oui, j'avais dit en alternance, mais si par exemple je peux pas live au milieu d'après-midi, Football Manager passera à 18h. Si je peux pas live le soir, Football Manager sera en après-midi. Voilà. Voilà. Le seul moment où Football Manager peut sauter, ça veut dire que j'ai pas pu live de l'après-midi du tout. Voilà. Et le dimanche matin, il y aura au moins 1h30 de Football Manager aussi. Quand je vous donnerai. Mais normalement, ça devrait pas arriver parce que ce sera toujours PlayStation 5 dimanche matin si je live. Parce que sinon, je live pas. Donc, il y aura pas de Football Manager le dimanche. Voilà. Ce sera toujours un live PlayStation 5 le dimanche. À part si je me sens pas bien comme la dernière fois. Mais là, peut-être que demain matin, possible qu'il y ait un live de la Surface, donc il n'y aura pas de montage vidéo demain. C'est pour ça que je vais arrêter mon live à 18h, pour pouvoir monter un peu les vidéos. Allez, on mène à 0 contre Manchester Global, ça c'est bien. Il n'y a aucun problème dans l'équipe. Merde, je me suis planté. Putain. Bah tant pis. Ah, c'est ça, tu vas sortir. Et on va rentrer Morsiman. Voilà. On va rentrer Pascal Stenzel. Et le dernier changement, ça va être 3 joueurs en même temps. Non, Egloff que... Ah bah, il y en a deux à sortir, là. Donc, Egloff. On va rentrer Narté. Endo, ça va être... Karazor. Et il y en a deux autres qui sont le moins prêts. Bah, on va rentrer Pereira, parce que je l'ai pas beaucoup vu. À la place de Thomas. Voilà. Ça c'est bien, j'ai un bon gardien quand même. De ce côté-là, on est tranquille. Donc ça, de ce côté-là, on est tranquille par rapport au gardien. Et on est qu'à 3 points du premier, ouais. Yebzig. Mais bon, le Bayern Munich, je crois qu'ils ont des matchs en main, donc ça va être compliqué. Donc voilà. Oh la chance! Oh la chance! Oh là, on a eu beaucoup de chance! Oh non! Penalty, est-ce que Florian Müller va arrêter le tir? Ah, il m'a arrêté deux penalties déjà! Ah, malheureusement, il n'arrête pas le troisième! Ah, c'est dommage! Tant pis. C'est dommage. Donc c'est pas très grave. Un message. Hop.
Putain, t'as bien, ils ont battu le Bayern. D'accord. Oh bah on mérite le match nul, ouais. Bon, on mérite pas vraiment le match nul, ouais, ils nous ont dominé. En termes de tir, ils sont plus forts que. C'était la conférence de. Je reviens, je vais chercher. Du papier. Après ces messages. Ah, Massimo, Roberto Massimo, comment ça se passe pour lui? 12 matchs, 3 buts, une passe décisive, fois le match, 6,92. Bon, ça peut aller. Féliciter Mehmet Sahin. C'est trop vite, non c'est pas grave. Non, il est mieux à respirer. Un joueur un peu en Coupe du Monde. Sosa est appelé avec la Croatie, ça c'est bien. Là, faut faire attention aux blessures, mais normal. Retirer de la sélection, oui. Ah, c'est le jour du match. Ouais, merde, je me suis planté. Putain, je vais remettre en positif après. Magnonum. Ouais, Pfeffer à droite et à gauche, mais même pas, ok. Je me rappelle plus. Même pas, c'est sûr. Pfeffer, c'est sûr aussi. Je me rappelle. Et ma vapeau, ça a besoin de tonnes, c'est ce que je pensais. Et en tonne, on va le laisser en bord. Voilà. C'est parti. Faisons ça. On monte de bonnes choses, on va rester une bonne série. Allons essayer du côté. Allez, c'est parti. Oh là là, ça va être compliqué ce match. Ça va être compliqué. Ils ont battu le Bayern Munich tout à l'heure. Bah, juste avant. On va les critiquer, mais ça va être compliqué ce match, je vous le dis. Ils ont quand même battu le grand Bayern Munich. Et 3-1 en plus. Bah, c'est pas pour rien qu'ils sont deuxième du championnat, Hertha Berlin. Après je dis ça, mais ils ont réussi à faire match nul contre Dortmund, le Bayern, Stuttgart. Joueur Thomas Pfeffer Zagadou Momon Ponos. Toi tu vas sortir de toute façon. Allez, on va rentrer Enzo Mio.
Ah, l'égalisation. Égalisation de Stuttgart contre Hertha Berlin, 1-1. Et sur un corner bien tiré. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, on fait pas mal de coups francs contre. Et encore un coup franc. Allez, Philippe Fenzer, tu vas rentrer. Ah bon, on va sortir 3 joueurs. Voilà, c'est bon. Il faut aller chercher le but là. Je savais pas qu'Enzo Mio tirait bien les coups francs comme ça. C'est bien. Donc ouais, c'est pas très grave encore. Donc on va envoyer l'entraîneur adjoint. Donc en plan, ouais. Endo est une légende. Il a fait 100 matchs avec... Ah ouais, bah oui. Ah, c'est dommage. On est au-dessus d'eux. Il n'y a que l'IXG qu'on a eu du mal à être à leur niveau. On est juste derrière. Allez, on utilise l'entraînement suggéré. Bon, pour l'instant, on est 5e. C'est bien. Prochain adversaire, c'est le Leverkusen, d'accord. Joueur utile de l'effectif et pourrait encore progresser. Allez, 3 messages. Anton m'envoie pas nos Zagadou, ouais. Souza à gauche et Amada à droite, au centre. Les Zagadou, on va le remettre sur le banc à la place d'Ito. Voilà. C'était la confort. Allez, on continue. Un message. À dire, on prend l'entraînement complet. Et Glove à la place de Pfeffer et à dire à la place de Glove. Féliciter Constantinos. Voilà. Bah, c'est mon gars, pas dommage, mais. 4 messages. Féliciter Krutos. On a pas. Ouais.
Voilà, Pékin, on va faire comme ça. C'est le dernier match avant la Coupe du Monde, les gens. Alors, je savais pas comment ils jouaient avant avec l'ancien entraîneur, vu que c'est la première fois que je joue contre eux, donc... Dernier match. Donc, j'espère quand même qu'on va gagner le Leverkusen. Même s'ils ont changé d'entraîneur, ce serait quand même pas mal. Au moins faire match nul. Voilà. Allez, on perd 1-0 pour l'instant. Donc on va quand même les critiquer, c'est pas normal. Sauf que quand même la grandeur de la cam, je la trouve trop grande, à mon avis. Ça va rétrécir un peu pour le prochain live. Parce que j'ai aussi, il faut que je modifie les trucs de sub et tout en dessous aussi. Sub et follower. Allez, égalisation de Stuttgart, enfin, 1-1. But de Silas. C'est même Adli qui fait la passe encore. Non, c'est Endo. Donc Silas, c'est même Van Par, bien sûr. Ok. Faut montrer à tous ceux qui sont ensemble, c'est vrai. On est parti pour la suite du match. Moi j'ai pas fait gaffe, il y avait Müller qui avait 6-4. Bon, c'est pas grave. Pas très grave encore. Oh, ça a failli marquer Thomas. Dommage. Allez, ma vopo aussi va sortir, on va rentrer de Tenzel. Souza et Engloff. Souza, tu vas sortir, on va rentrer Moman. Engloff. On va rentrer Pereira.
Adli en entrée. Narté. Et même pas Guirassy. Voilà. On a fait nos 5 changements. Oh le grand rouge direct. Le joueur il s'est loupé là, le Vermisen. Mais bon, il n'y a plus beaucoup d'action jusqu'à la fin du match là. Il n'y a plus d'action du tout en fait. Ah oui, il n'y avait plus d'action du tout jusqu'à la fin du match. On va voir encore un match nul. Alors comme c'est la 15ème journée, on va aller voir. Ah putain, on a baissé un peu là avec 10 buts. Adli, il est à 5. Anton il a 7,29 et Adli 7,17. Furish chaque passe décisive se a 4 mais même pas 4. Donc on a rien là. Clean sheet Müller il est à 5 sur 15. Par contre l'attaque, non ça c'est la défense. On a la 4ème meilleure attaque. Et en défense, c'est moyen par contre. Très moyen. À domicile, on est toujours 3ème. On n'a jamais perdu à domicile. À l'extérieur, on a remonté un peu. Et on n'a qu'une victoire, on a 3 nuls à l'extérieur. D'accord. Et sur les 5 dernières rencontres, on est 8ème. D'accord. Avec 4 nuls. Ça n'est pas très grave, on est bien placé. Une trêve sera respectée en Bundesliga pendant les déroulements de la Coupe du Monde. Le prochain match de Stuttgart dans cette compétition sera à Mainz le samedi 21 janvier. Putain. Les joueurs de l'équipe première devaient désormais en vacances jusqu'à la fin de la trêve mi-saison. Les joueurs retrouveront le terrain d'entraînement le dimanche 11 décembre. Donc on va aller jusqu'au 10 décembre en vacances. Donc, revenir. Le 10 décembre. Voilà, ok. Allez, une heure 130, il y a 131 messages, donc on va tous les regarder avant. On va aller voir tous les groupes qui sont passés. Pays-Bas et Équateur dans le groupe A. États-Unis et Angleterre dans le groupe B. Argentine-Pologne dans le groupe C. France-Tunisie dans le groupe D. Allemagne-Japon dans le groupe E. Belgique-Croatie dans le groupe F. Brésil-Serbie dans le groupe G. Et Portugal-Ghana dans le groupe H. Deuxième tour, qui est Pays-Bas éliminé l'Angleterre. L'Argentine a éliminé la Tunisie. Les États-Unis ont éliminé l'Équateur. La France a éliminé la Pologne. L'Allemagne a éliminé la Croatie. Le Ghana a éliminé le Brésil. La Belgique a éliminé le Japon. Et Portugal la Serbie. Argentine a éliminé les Pays-Bas, l'Allemagne a éliminé les Ghana. Et après, c'est États-Unis, France et Portugal, Belgique. Donc voilà. Ok. Allez. On va arrêter le live là. Donc on va arrêter déjà la rediff. Donc pas pour ceux qui ont vu la rediff de sur Football Manager 2023. Sur la partie du chômage à la gloire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, plus au monde.